Zucchini dessert. Nous allons préparer aujourd'hui un dessert à base de courgettes. I have about 2 cups of milk, which is starting to boil now. J'ai 2 tasses de lait ici qui est en train de bouillir et 1 tasse de courgettes râpées. 1 cup of zucchini, which has been grated. So we're going to let all of this cook together for a few minutes. On va le laisser cuire pendant quelques minutes. Alors, c'est un dessert très simple qu'on peut manger en été. Normalement, on fait les halva avec plusieurs légumes. Vous peut-être connaissez déjà le dessert de carottes. C'est pareil. So, we have a lot of desserts in India made with the vegetables. Like the famous carrot halwa. And in summers, we have a lot of zucchini. So I like to make this dessert in summers and I like to eat it chilled. So it's just a 5-ingredient dessert. On a besoin que de 5 ingrédients: la courgette, le lait, du sucre, mon chai masala ou le cardamome vert si vous n'avez pas mon mélange et les pistaches. So the 5 ingredients are milk, sugar, zucchini, my blend of chai masala, which if you don't have, you can use green cardamom and some green pistachios. It's been 5 minutes now. I had left it covered. Alors, après 5 minutes, je vais ajouter le sucre. So now I'm going to add the sugar. So I have 1/4 cup here, but I'm just going to add half of that, so about 2 tablespoons, and then taste and then add accordingly. Don't want it to be too sweet. Donc je viens d'ajouter 2 cuillères à soupe, oui, de sucre. Puis vous pouvez toujours ajouter plus. Et maintenant je vais continuer de cuire ça pour réduire le lait. Now I'm going to let the milk concentrate and you know, so that the milk turns into a creamy and thick consistency. You can eat this dessert like a rice pudding, or you can make it like a fudge. Vous pouvez manger ça comme un courgette au lait, comme le riz au lait, ou réduire le lait. Et ensuite faire des petits carrés ou des petites boules, les ladoux, comme vous voulez. Moi, je vais le réduire plus. So I like to eat it more in a form of fudge. I make little squares actually, and I keep them in the fridge. So a few more minutes now to reduce the milk. Those of you who want to eat it as a pudding, you can stop right here. It's been 5 minutes since I added the sugar. Everything is nicely blended. Just add your flavoring and the nuts and chill and eat. Or you can also freeze and make an ice cream, the kulfi, with this. Pour ceux qui veulent manger comme le riz au lait, bon, vous pouvez arrêter ici le feu. Ajouter le cardamome et les noix, et le manger comme le riz au lait, ou même faire un kulfi. Mais moi je vais continuer encore, donc il faudra un peu plus de patience, peut-être quelques minutes encore, pour réduire absolument le lait qui reste dans le wok. So I'm going to still continue because as I'm said before, I like to make little squares, so I need to really thicken the milk. I mean, wait till the milk evaporates completely. Voilà, c'est la fin. Je vais arrêter le feu ou je vais le baisser. Je vais ajouter mes pistaches. So now I'm going to add my crushed pistachio nuts. You can add almonds or any other nuts, but I just stuck to the green nuts. It's almost done. Now I'm going to add my chai masala.
can add any other flavor you like, of course. Cardamom, green cardamom goes well with this. Alors, j'ai ajouté les pistaches et maintenant je vais ajouter mon chai masala. So, half teaspoon of my blend spices. You have to keep stirring so that it doesn't burn. Voilà, il faut continuer de remuer. J'ai ajouté tous mes ingrédients, demi-cuillère à café de mon chai masala. Et il faut que il faut pas arrêter complètement le feu, mais le laisser très très doux, minimum. So just let it sit on the stove, on the lowest flame, and keep stirring. Because you need to bring it all together. Il y a des gens qui ajoutent un peu de beurre ou le ghee, mais moi je n'aime pas, je préfère manger mes desserts bien légers. In many recipes you'll find that people add butter and ghee, but I don't. I like to keep this dessert really light. So keep stirring. Another couple of minutes, it'll be done. Voila, it's done. You can serve it like this, or I'm just going to put mine in the box and eat whenever I feel like. Keep it in the fridge and have it cold. Voilà, c'est fait, et vous pouvez servir comme ça ou juste mettre dans une boîte et puis manger selon vos envies. Bon appétit. And don't forget to subscribe, like and share my videos. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager mes vidéos.